son visage très connu dans la logistique, majorité activité d'envergure qu'a fait aux États-Unis depuis quelques années déjà. Donc là, tu fais partie pratiquement de l'équipe qui organise la Nuit des Jeunes. Donc, faut-il parler de ça? Qui est la Nuit des Jeunes? Qu'est-ce de spécial? Merci pour la question. La Nuit des Jeunes a commencé, c'était pour la jeunesse haïtienne, pour la musique haïtienne. So, nous avons un pile groupe qui était jeune, qui n'a pas de gens qui jouent une plateforme ou une porte ouverte pour faire une présentation et pour être dans un stage comme ça, avec peut-être un karimi, un kai, un vibe, un créole là, et ils jouent une position. Je crois que c'est ça qui fait la différence entre un festival ou un bal et la Nuit des Jeunes. C'est vraiment la Nuit des Jeunes. D'accord. Et tu as un plaisir particulier à travailler dans le staff ça? Je te vois sourire, rayonnante. Staff ça. Depuis hier, je te regarde, c'est ce que je vois. Non, staff ça, c'est un staff comme si de professionnels qui comptent ça y a fait et qui ont une passion pour la culture haïtienne. Okay. So, depuis que son pareil pour la musique et pour la culture haïtienne, m'a toujours souri parce que c'est mon cœur. C'est mon cœur. Ladies and gentlemen, it's about time we get started. Give it up for the one, the only, Fatima! Comment nous y est? Si l'âme te respectait, si l'âme est galotée, c'est la garde dans l'ouvert. La guerrière, maman, si l'âme te respectait, c'est pas genre la cour, c'est la garde dans l'ouvert. Si maman, la guerrière, la guerrière. Amazura, Mbé Jean avec Cadillac. Le compas.
regardé. Je dis à son grand jour. Je dis à ses birthday. Oui. Birthday King. King Hit. Maître Malin. Je dis à ses birthday Cadillac. Besoin tout le monde de me souhaiter la happy birthday. Même beau cadeau pour Cadillac à soya. Son seul bagage, je sens que je Cadillac. Tout pas gros tout non. Oui. Fucking jazz in our store. La sirène, la baleine, chapeau tombé dans l'ombre. La sirène, la baleine, chapeau tombé dans l'ombre. Non, fait, si je t'attends la sirène. Chapeau tombé dans l'ombre. Moi, rencontre mon chemin d'eau. Fini. Hein? Nous ne pouvons pas continuer à terre, non? Et même pas nous.
Mesdames, Messieurs, nous y sommes à la fin de cette belle soirée. La Nuit des Jeunes, on peut parler de réussite. Pratiquement, on a envie de dire sur toute la ligne. Certes, il y a eu quelques imperfections du point de vue organisationnel. Son activité qui commençait avec un pile retard. Et il y a eu trop de temps mort, malgré que MC Soirée a fait toute salle capable pour combler l'espace vidéo. Mais il y a eu vraiment trop d'espace vide. Au niveau de la performance des artistes, moi, c'est que tout artiste dégagé. Il y a eu des performances qui étaient meilleures que d'autres, mais je pense que la grande révélation de cette soirée a été Fatima, qui a eu une performance presque impeccable. Et puis également, il faut souligner que Pierre-Jean, pour sa grande première à New York, était plutôt convaincant. C'est évident que nous ne pouvons pas détailler toute performance et chaque groupe ça en deux reportages ça, mais suivez les émissions de People Saint-Louis et de l'Extra Complexe au cours de cette semaine. C'est évident que nous aurons des analyses beaucoup plus approfondies sur les différentes performances de cette soirée. La Nuit des Jeunes, 19e édition, ça a été une grande réussite en termes d'affluence et également en termes de musique et en termes de spectacle. On se retrouve bientôt pour notre prochain reportage. People Saint-Louis Alternative sans complexe. À bientôt.